Bonjour à vous tous, bien, écoutez, aujourd'hui nous allons parler d'osmosée et nourrisson, bébé, comme cette petite photo qui est juste derrière moi, parce qu'on pose souvent la question, est-ce qu'on peut donner à ces populations une eau qui est osmosée, c'est-à-dire une eau peu minéralisée? La réponse était un triple oui, un grand oui. Vous pouvez sans souci donner de cette eau-là, car une osmosée, ça va être une eau qui va être peu minéralisée, type Oku, Rosée de la Reine, Montcalm, Montagne de la Reine par exemple, ça peut être aussi la Volcania. Donc ce sont des eaux qui sont très peu minéralisées, et ce qui est très bien pour les nourrissons et bébés, c'est que ça ne va pas les constiper. Parce que le souci des eaux qu'ont nos enfants aujourd'hui, et beaucoup de parents qui me regardent doivent sûrement se rappeler cette expérience, l'enfant, bah, il a un peu pleuré, on se demande pourquoi, on voit chez le pédiatre qui vous dit, bah oui, il est constipé, donnez-lui vite de l'épargne, ok, je donne de l'épargne, qu'est-ce qui se passe? Le petit se vide, et après on se dit, mince, le petit, il a diarrhée. Non, il n'a pas la diarrhée, seulement c'est qu'il faut arrêter de donner de cette eau-là, redonner une autre eau. Donc on s'amuse à chaque fois entre différents types d'eau, et je vous prie croire que le petit n'aime pas ça, et c'est lui non plus. Donc au lieu de vous amuser à changer d'eau à chaque fois entre des eaux très minéralisées mais qui constipent et une eau d'épargne qui est certes très minéralisée mais de laxatif et diurétique, donnez-lui directement une eau qui est peu minéralisée, sans l'inconvénient donc des eaux en bouteille, avec tout ce qu'on connaît derrière, c'est l'osmose inverse. Ça sera aussi bien pour eux que pour les plus grands, donc vous avez deux enfants, et pour vous-même. Et si vous êtes un amateur de bon thé ou de café, je peux vous dire que faire un thé ou un café avec une osmosée, ça n'a rien à voir. Pour une simple bonne raison, comme c'est une eau qui est plus minéralisée, elle fait ressortir les saveurs. Donc voilà, vous savez tout par rapport à l'osmosée. Vous pouvez sans souci, je vous le répète, avec un triple oui, et même un de mes amis, le professeur Marc-Henri, peut vous le dire sans problème, vous pouvez donner de l'osmosée à toute la famille. Voilà, merci à vous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.